Bonjour à tous. Je viens vers vous aujourd'hui pour justement apporter une petite aide au niveau de la PlayStation 4. J'étais face à un souci, j'ai vu que sur internet beaucoup de personnes avaient malheureusement le même problème que moi. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais faire la vidéo pour justement aider tout ce monde-là. Donc il s'est avéré que j'ai voulu télécharger sur la Play 3 pour ma petite sœur, on va dire. Minecraft que j'avais déjà sur la Play 3, mais sur la Play 4, quand j'allais justement pour le télécharger, il se téléchargeait et me disait comme quoi je l'avais gratuitement. Mais lors du lancement sur la Play 4, justement il y avait un souci, on ne pouvait pas lancer le jeu. Le jeu était comme si c'était une démo. Et en fait, j'ai appelé à l'assistance qui m'a expliqué une chose tout simple. Vous voyez ici, alors 18 euros, c'est le prix du jeu. Quand on l'a jamais acheté, mais quand on l'a acheté déjà sur PlayStation 3, alors il nous suffit de rentrer l'adresse qu'il nous donne par email. Je vais vous la marquer justement dans la description du jeu. Hop. Et en fait, c'est un autre. Alors, c'est un souci qu'il rencontre en ce moment sur le PlayStation Store. C'est pour ça que beaucoup n'y arrivent pas à le trouver. Grâce à ce lien, donc vous voyez, non disponible, pardon, à la vente, mais elle est disponible à la vente seulement pour ceux qui ont déjà acheté la version PlayStation 3. Et ça revient à 3,90 € justement le Minecraft sur la PlayStation 4 pour faire la mise à niveau pour qu'on puisse enfin l'utiliser sur la PlayStation 4. Voilà. Donc j'espère que ça a pu vous aider. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Pour un autre sujet. Au revoir.